que nous lançons à la population, c'est un message juste pour leur dire notamment qu'aujourd'hui nous avons un hôpital qui a un plateau technique à même de pouvoir prendre en charge ou bien à même de pouvoir faire face à la demande de soins, en tout cas pour l'essentiel en tout cas des besoins de la population. Donc en plus de télémédecine, en plus de cette télescopie, nous avons ce qu'on appelle la télémédecine, qui permet notamment à des étudiants ou bien à un public de suivre l'opération en dehors de la salle d'opération, et c'est une réalité aujourd'hui à l'hôpital. Le ministère de la Santé a déployé beaucoup d'efforts pour rehausser le plateau de l'hôpital. Aujourd'hui, nous recevons un système de scanner, en plus de l'équipement qu'on a déjà reçu. Ça permet, en fait, ce scanner permet de relever le plateau technique de l'hôpital et de davantage répondre donc, à la demande de soins. C'est juste, et ça, c'est un pas encore qui a été fait par le niveau central. Et je pense que dans les jours à venir, d'autres équipements vont suivre, toujours dans le sens de plateau technique, de faire face à la demande de soins des populations de fatigue. Le ministère de la Santé a opté de renforcer le plateau technique des hôpitaux, mais également de créer ce qu'on appelle les pôles d'excellence. Nous avons mis en pratique la céloscopie, ce qui va être dans toutes les régions centres. Le faire ici, au lieu d'aller jusqu'à Dakar, les gens pourront rester à Fatick pour le faire. Cet équipement de qu'on vient d'installer aujourd'hui, qui vient de prendre, je veux dire, son premier mandat a coûté à l'État du Sénégal 300 millions de francs. Ça existe au niveau de deux hôpitaux, c'est à l'hôpital Jigenshaw. Et le marché global, pour ces 200, nous a coûté 300 millions de francs. Il existe qu'à Jigenshaw et à Fatick. Et la deuxième raison pour moi venir, c'est juste pour voir ce qui est en train d'être fait. Le scanner qui est venu ce matin, nous sommes venus pour évaluer les contraintes d'installation. Et Inch'Allah, dès jeudi, on va commencer à scanner, commencer les tests, commencer les formations, pour que dans l'obstant, on pourra commencer effectivement les examens au niveau de fatigue. Fatick TV, votre télévision numérique, notre télévision à nous. Allô le monde, voici Fatick, Fatick TV. Fatick TV, nous adna fi, au télévision nous oreille. Inwa Fatick, au télévision in oreille. Allô adna fi, Fatick oreille. Fatick TV. Fatick TV, télévision monde, télévision amène, Fatick TV, télé adonné encore. Fatick TV, c'est une télévision numérique, sous une télévision. Allô le monde, voici Fatick TV. Bienvenue dans votre télévision numérique Fatick TV. Des professionnels au service de leur région. Fatick TV, c'est de la diversité. Reportages, documentaires, dossiers, débats, public reportage, invités de la rédaction. Fatick TV, c'est aussi de la bonne humeur. Fatick TV, c'est une télévision numérique. Sokhal tamit yeñi di yengu ci walum tagatu yaram.